En fait, Kiki, si tu veux, je sais pas si j'ai expliqué, mais pour rappel, en fait, dans cette version 2.0, Sega Chief, le créateur du mode, il a rajouté un autre super boss en plus d'Ozma, parce que Ozma c'était vraiment le super boss. Enfin, c'était un super boss secret de la version 1.5, mais dans la version 1.5, il y avait plein de combats secrets au Gold Saucer aussi, comme j'ai dit, mais Nemesis d'FF10, Minotaur d'FF8, il y avait plein de trucs. En vrai, tous les boss c'était cool quoi. Mais il a viré tout ça, il a gardé Ozma. Et les armes, du coup, forcément. Et dans la version 2.0, il y a un autre super boss. Je sais pas du tout ce que c'est, je me suis pas fait spoil. J'ai réussi à pas me faire spoil. Donc, il y a un autre super boss. Et lui, pour le débloquer, il faut avoir battu Ozma. Ça, c'est Mumba qui me l'a dit. Le Tanxit, ouais. Ah oui, c'est vrai, le Tanxit, oui. Le Tanxit, oui. Putain. Donc en fait, pour débloquer le super boss, c'est trop mal branlé, Kiki, ce qu'il a branlé. Enfin, ce qu'il a foutu. C'est que. Il faut battre Ozma, bon, ça c'est le thème qu'on va gagner. Ça c'est la clé, la clé pour avoir accès au combat. Mais avant ça, il faut faire 4 choses précises. Il faut faire 4 interrupteurs. Et ces interrupteurs, en gros, c'est de lancer un item spécifique sur un mob. Donc l'idée est cool en soi, l'idée est cool, pourquoi pas. Sauf que le problème, c'est que les 3 quarts des mobs sont actuellement inaccessibles où je suis. Donc en gros, l'idée, pour le débloquer, il faut que tu saches. Quand tu joues à l'aventure, il y a aucune, en fait, il y a aucune indication à la part à la fin du jeu contre le chocobo d'argent au nord là dans le continent de glace. T'as aucun moyen de le savoir en fait. Donc en fait l'idée, ce qu'il a dit, c'est, enfin ce qu'il a fait, c'est qu'il faut que tu termines le jeu, puis tu recommences une nouvelle partie en faisant du coup les triggers que tu connais au bon moment du jeu. Mais non, c'est gâché. C'est de la merde d'avoir fait ça. C'est de la merde! Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher sur la save pour aller à ces endroits qui sont maintenant inaccessibles pour le jeu. Voilà. Merci à tous. Il me semble que je dois fermer le jeu. Hein. C'est de la merde. Voilà, je vous le dis. C'est de la merde. Ah, pas cool. Excalibur 2, 6, moins de 6 heures. Même niveau de fun. Oui, non, mais oui. Ouais, c'est vrai, c'est un peu Excalibur 2 tiers, mais bon. Pff. Mais après, Excalibur 2, à la limite, ça c'est une performance, tu vois. Ça, pour moi, c'est pas la même chose. C'est vraiment, tu lances une partie, tu y vas le plus rapidement possible. Donc, et d'ailleurs, c'est pas moins de 6 heures, c'est en moins de 12, je crois. Le speedrun d'FF9 actuellement est de. Dans les 8 heures et quelques, je crois. Donc, bon. Mais là, c'est de la merde, parce que. Voilà, c'est dans tous les cas, voilà, t'as envie de découvrir tout le jeu, tout ce qui a été rajouté. Et là, il t'oblige à refaire toute une partie. Pour ça, on s'emmerde. On s'emmerde. Bon, faut que je retrouve ta vidéo. Oui, bon, ça, je verrai ça après. Faut que je retrouve ta vidéo, Mumba. Ok, alors attends. Il faut que je fasse un truc, c'est que faut que je lance la vidéo sans regarder la vignette. Oh putain, pitié, non. Hop. Putain, je crois que j'ai vu la vignette pendant une demi-seconde, mais c'est pas grave. c'est pas grave. Et de toute façon, malheureusement, mon boss, je crois que c'est quoi? C'est qui le super boss? Je crois que j'ai dû me faire micro-spoil de moment. Mais bon, c'est pas grave. Il faut jamais lock derrière un timer ou un point de retour, c'est jamais drôle. Ah oui, non, mais je suis sûr, oui. En fait, il aurait fallu que le chocobo d'argent puisse te téléporter aux endroits précis. Ouais. Non, mais non, mais Moonbot, simplement qu'ils mettent ça sur des mobs qui sont accessibles, tout simplement, c'est les quatre. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de sorcier. C'est tout simplement. Alors, il faut que je télécharge Black Chocobo. C'est un outil pour modifier la save. Download. Black Chocobo. Je pensais pas faire ça aujourd'hui, mais on va faire ça aujourd'hui, hein, voilà. Attends, c'est quoi ces conneries là? Ah non, merde, c'est ça que je voulais. Ah ben, je l'avais déjà apparemment. Je vais. En fait, ouais, je savais comment il fallait faire, mais en fait, il y a juste un endroit où c'est casse-couille à débloquer. Et là, fallait connaître les valeurs et tout. Et là, je suis en mode, ouais, non, vas-y. Hein. Il fallait connaître la variable pour la réinitialiser ou je sais pas quoi. Et j'avais pas le temps pour ces conneries. Hein. Désolé, bro.
Oui, si, exécute le virus, vas-y. Attendez, je vais essayer quand même vous montrer ce que je fais si j'arrive. Ah non, mais ah oui, ça s'installe, Black Chocobo, c'est un virus? Black Chocobo? Non. C'est l'installeur du coup. Oh putain. Attends, où est-ce que tu me l'installais? Tu me l'installais là, oui. Black Chocobo. Voilà. Oh, attendez, je vais essayer de vous montrer. Ah non. Capture de fenêtre, ouais, je pense que c'est plutôt ça. Voilà. Ah non, mais attends. Voilà. Attends, mais c'est quoi ces conneries? Pourquoi le. Ah oui, attends. Peut-être qu'il y a un filtre qui traîne ou. Donc voilà, donc c'est Black Chocobo, c'est un éditeur de save, pardon. Et du coup, la strat, c'est aller du coup à deux endroits précis. Et après, l'autre, faut faire une magouille pour initialiser la variable ou je ne sais quoi. Donc c'est parti. Vu que, oui, vu que Capitaine a ravagé tous les boss mystiques. J'avoue que là, les super boss, on les a. Enfin, l'armée monte très déçue, hein, puis Osmo aussi. Hein. Franchement, mais. Alors attendez. Alors du coup, le premier endroit, c'est aller la... Ah oui. Ah oui, attends. Et du coup, ils disent qu'il faut des items précis. Ah merde, et du coup, oh, putain. Ah non. J'espère que j'ai ces items. Normalement, les items, généralement, je les claque jamais. Et je crois savoir c'est quoi le super boss final, mon cher Moomba. On verra bien, mais. On verra bien. Oh, attends, parce que du coup, il faut des items, voilà, spécifiques. Il faut Hero Drink, ça je l'ai. Vaccine, peut-être. Il faut un Black Veil. Ah, là c'est mal parti, non? Oh non! Ah oui, Lucky Pill, ça il en faut, il me semble. Peut-être pas. Black Veil, j'en ai juste un. Ouh! Attends, qu'est-ce qu'il faut exactement comme item? First one you're going to need is a hero drink 2. Oui. Once you have the hero drink 2, you are good to go for one of Oui. the mobs. If you don't remember, so also going to need a mute mask. Mute masque. J'en ai un ou pas? Est-ce que j'ai un mute masque? Hein, ça, je suis pas sûr. Hein. J'ai pas de mute masque. Ah merde, c'est trop où ça? Oh non. Ça trop où ça, Mumba? On va pas pour info. Ah oui, parce que c'est à cause de ça. Attends, si je fais ça, c'est mieux, voilà. Et pardon. Et parce que, oui, excusez-moi. J'ai les hero drink, des vaccins, je sais pas s'il en faut. J'ai Lucky Pill, il me semble qu'il faut un hein. Black Veil. Et il me faut un oh, des hero drink classique. Il faut un mute masque. Merde, attends, peut-être qu'il le dit, non, je sais pas. Other than that, we are going to need the dazers, a mute mask. Other than that. Super, il dit pas ce connard. Pardon. Mute Mask FF7. Alors. Oh, super, ouais, super, ça, c'est une bonne idée de faire ça. Ah oui d'accord, is enemies, the foot in the forest, in the libel area. C'est quoi ces mobs là dégueulasses déjà, putain je m'en souviens plus. Ah oui, eux peut-être. Hein. Ah après ça se trouve le. Ça se trouve, ils sont plus sur eux, on va voir, mais ah oui peut-être eux.
Au Crazy Saw, ça c'est mort, je le verrai plus. Robocop de retour. Oh pardon. C'est parti pour Robocop. Excusez-moi, excusez-moi. Je suis désolé. Comment c'est possible que le bain il doit faire des trucs bizarres? Ok, on va faire un test. De toute façon, il faut. C'est ça, je suis niais depuis le début. Attends, non. Oui, de toute façon, Jack il a pillé, donc c'est bon. Montre-nous le fertilisation des V, comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Admire ton pays, Kiki, regarde, admire le pays. Le pays de la Wibance. On s'emmerde, hein? On s'emmerde, hein? Il faut que je trouve des piafs. C'est pas vous que je cherche. Bonjour? Oh. Ah, j'ai quand même volé une super potion. Attends, je sens la connerie, mine de rien. Je sens la connerie. C'est pas vous que je cherche non plus. Genre le Covid. Peut-être faut que je monte plus haut, je sais pas, non. C'est même le boss ninja ici. Je crois qu'on l'avait bien dézingué. C'est pas vous non plus, MDR. Je cherche un piaf. Ah ouais? Firewall, oui, d'accord. On en parle du morph de 4000 de Kiki? 4000 le morph là? Normalement, morph ça réduit l'attaque par. Je sais pas, mais par genre 100 ou un truc du genre. Parce que comment ça? I am the captain now. Ah, c'est une bonne nouvelle ça si on doit morph ce con. Par contre, ça commence à m'énerver là. Mais on est bien d'accord, Mumba, y a bien des. Des saloperies de piaf ici là. Oh. Et les espèces de piaf avec leur comment ça s'appelle là les 10 piaf comment? Mais tu sais les piaf, tu sais avec leur truc là leur comment ça s'appelle merde? Ils font tcha 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 là. Ah mais voilà, c'est lui, c'est lui. Voilà. Ok, alors, est-ce que c'est vous? Volt 2, oui, si tu veux. 1100 quand même, hein? Oh, Kiki, c'est l'enculé, pardon. Volte plume, merde. C'est un morph? Stormwing, merde, c'est pas eux! Aïe 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 aïe. Ok, j'ai un autre mob du coup. Mais lui, j'ai un peu de mal à savoir où il est. C'est un mob à deux pattes. Avec une putain d'antenne. Enfin, il est dégueulasse le mob. C'est quoi cette équipe toute pourrie? OMG, oui, mais Shota! Ah, Shota, t'as réussi ou pas du coup, Shota? Dis-moi que t'as réussi, bordel de merde. Pour ton histoire de New Tactics là. S'il te plaît! Non, oh putain! Depuis tout à l'heure, t'étais là-dessus? Je suis en PLS. Oh putain.
Même avec le truc que je t'ai envoyé. Ah ouais putain parce que c'est. Et what the fuck? Aïe 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 aïe. En plus j'allais avoir une coupure de courant, mais non. Allez, ça c'est le. Ça c'est le destin que dit, allez vas-y, vire-moi ce jeu de merde. Go Kingdom Hearts, là, allez, vas-y là. Non mais c'est quoi ces coupures de courant Shota là? Non mais il faut refaire l'installation électrique de ta baraque là, c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? The fuck? Bah, du coup le meuble que je cherche c'est lui là, mais je sais plus où il est lui. Nibelaria, c'est quoi Nibelaria? Ah oui c'est là. Ah oui d'accord, ok. Je crois que ça va, ok. J'ai jamais vu ce mob, ça se trouve, ça me tient rien. Justement, c'est moi qui fais l'installation électrique. Aïe aïe aïe, bah faut la refaire. Faut la refaire. Aïe 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 aïe. Mais non. Oh Shota quoi, Shota. Me t'as même pas s'il te plaît, me t'es au pas s'il te plaît, me t'es au pas. J'ai pensé à toi tout à l'heure aussi quand j'ai voulu lancer le jeu là, ça fait 2 ans que j'ai pas lancé cette partie. Qu'est-ce que je branle? Le jeu qui s'en sait pas, qui fout le crash et tout ça, c'est énorme. C'était énorme. Ah, c'est chiant pour FFTA, ouais. Mumba, là, fais quelque chose, Mumba, là. Toi qui sais tout, Mumba. Oh, c'est une dinguerie. Ah, voilà, c'est eux, c'est eux. Au pire, tu en fais une partie, hein. Ça me laissera du temps, Shota, ça me laissera du temps. Hein, quoi? Bon, dites-moi où vous avez les mutes masques. Kiki. Slash lance, non. Ouais. Ah si. C'est bon. On l'a. Ok. Je sauvegarde. Je peux pas te dire aussi, j'ai aucun droit, je suis une vieille merde. Mais non. Comment ça? Tu vas me voir tricher en plus, Shota, ça c'est bien ça. Bon, du coup, on a tout. Ça, c'est le problème, Shota, de faire voilà, des gros mods, mais derrière d'avoir des idées de merde. Hein. Pardon, Sega Chief. Newsred, c'est bien, Newsred, hein, mais pas la 2.0, malheureusement. Pas la 2.0. Aïe. Où est la vidéo, là? Bon, du coup, on a tout, là, je pense. We are going to need the Dazers. Ah, Dazer, est-ce que j'en ai? Non! Attends, tac. Est-ce qu'on a des Dazers? Oui, j'ai tout. Ok. A vaccine and a black veil. Oui, ça okay, j'ai. You need some... Make sure, as you can see, into a fa... Ok. Attends, mais il explique comment se TP déjà là dans cette zone là? Alors, du coup, ce qui va se passer. Tac, Black Chocobo. De toute façon, j'ai tout sauvegardé, là, on est bon, ok. Just load our original save. So let's just quickly do that. So there's where we're at. Now, there are 3 more mods. Ok, bon. Éditeur de save. Oui, t'inquiète. Il faut que j'ouvre ma sauvegarde, du coup, si je comprends. Ah, ouais, super, ah, ouais. Où sont les sauvegardes FF7 déjà? Just quickly, we do need to actually just load our original save. Document. Oh putain de merde. Document. Square Enix. Ah! Oui! Ok, alléluia, c'est bon. Save 9. Voilà. Ah bah attendez, comment ça se passe de votre côté? Putain, FFTA Shota là, FFTA bordel de chiasse là. Aïe. Ok, donc là j'ai ma save et ensuite du coup il faut que je me TP. Dans un premier temps, à Corel, hein, c'est ça, voilà.
Il faut que j'aille dans. Parce qu'il faut que je trouve des masques, hein, c'est ça. Parce que ouais, on avait. Voilà, c'est ça. Et du coup, comment on fait? Je double-clique dessus, c'est ça? Comment ça marche le logiciel? J'ai peur de faire des conneries. So let's just quickly do that. So there's my list that Ouais, we need to do. One of them is in the world. Just oui. do when Maisie's here. So I'm just like Oui, moi, click ça, on verra ça tout à ID l'heure. 70. Oui. This one for save. The Oui. save here. Ah, d'accord, Location to faut change. juste se save, d'accord, ok. Il va falloir que tu regardes comment je peux. C'est toi qui tapes dans l'exercice, mais pas moi. Non, mais comment ça? Mais moi, je sais pas, moi, j'ai jamais testé ton émulateur ou je sais pas quoi. Bah, déjà, c'est avec l'autocrédit, t'y arrives pas, mais bah, laisse tomber, hein. Laisse tomber, hein. C'est la merde. Tu demandes à Chic d'en faire une partie en speedrun et puis voilà, hein. Aïe aïe. Ok. Je sais plus si j'ai les messages là. Je crois que je les ai mis quelque part, non? Ah, c'est ça, voilà. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est Headwalk, Casmute, Days for Keycards. L'ancien désert, c'est un mob dans le manoir, ok. Gif Spectral, Bill Luck. Ok, bon, ça c'est les Spectral Gi, ça c'est la merde, ça c'est ça qui m'a fait un peu rage quitte le mode là, ça c'est vraiment de la merde. Hero King, Drawing in a Wow. Et ça c'est la merde tornade, donc ouais, du coup on va faire le casse silence sur un mob du désert, ok. Ah non, mais je suis con! Oh putain! Ah oui, attends, ah, après c'est une sauvegarde, ouais. Ok, donc du coup faut relancer le jeu, je suppose. Ah ouais, attendez. Tac. Normalement le jeu, voilà, il va se mettre. Ok. Oh putain. Allez, game. Merci. Et normalement. Normalement. Nibel Aria. Bah non, ça marche pas là, Moomball, on est baisé, non? Ça a pas marché! Attends. Ça marche pas. C'est une œuf, oui. Peut-être j'aurais dû fermer le jeu, je sais pas. Ok, oui. Donc je vais aller là. Et juste. Ah oui, 7. Ah oui, putain, faut que je fasse ça, d'accord. Non mais. Et le voir ce bouton de mort là. Voilà, Corel prison. La tricherie! Alors, par contre, on va faire un truc, c'est que Kiki, tu vas te détendre du zboul. Ok, je pense que c'est bon. Non, faut trouver les masques. Mais attends, mais c'est de la connerie, y a pas de masque ici. Pourquoi je suis là? Attends, je vais tout faire bugger si je vais là, non? Putain, le con. Oh le con. Oh le con. Oh le con. Oh le con. J'ai l'impression de jouer à FF9 à rouvrir les anciennes zones là. Oh non. Ok. Non. C'est en fait, je vais débloquer le vrai super boss du mode Shota, mais c'est mal branlé. C'est mal branlé en fait. Oh putain, attends. Voilà. En fait, pour t'expliquer. Attention, ça peut être du spoil hein, si tu veux jouer une ousrette. Hein, donc, à toi de voir si tu veux voir la gueule de ce super boss. Mais en fait, c'est très mal branlé. Je t'assure qu'il n'y aura pas ce genre de conneries dans 36, dans mon mode FF9. Mais en gros, ce qu'il a fait, c'est que il y a des interrupteurs dans le jeu. Il y en a 4. Et les interrupteurs, c'est quoi? C'est de lancer un item précis sur un mob. Sauf que le délire, en fait, c'est si tu sais pas du tout comment faire ça. À part à la fin du jeu, voilà, à la fin du jeu contre un certain Chocobo. Donc ça t'oblige à recommencer tout le jeu pour juste débloquer Super Boss. Et moi j'ai envie de dire, nique ta race, et j'ai pas envie de faire ça. Et aussi, ce qui est bien, Shotari, c'est que les trois quarts des mobs ne sont plus accessibles au CD3. Donc voilà. Idée de génie, idée de génie. Donc non. Non, non, non.
Donc, si tu veux jouer à Nusret, Shotari, je te conseille la version 1.5, qui est 1000 fois mieux que la version 2.0 que je suis en train de tester, mais bon. Ah, c'est pas dingue. Au secours. Où sont les mute masques? Ah oui, attends. Non. Il joue pas du coup? Pas de soucis, hein. Oh, j'ai pas trouvé, c'est ça. Si vous avez un mute masque, vous me dites. Ouais. Ouais. Ah oui, non, mais bon, c'est sûr, la version 1.5, elle est tellement mieux. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait, d'accord. Merci à tous. Non, c'est pas ça? C'est pas ça, Mumba? Oh no! Ah non! Je suis bête! C'est pas les masques, c'est les Deathclaws. Mais oui, c'est pour ça qu'on est là-dedans. Excusez-moi, je suis con. Excusez-moi. C'est les Deathclaws. C'est pas ces connards. My bad, c'est pour ça qu'on est là-dedans. Merci à tous. Tu vois pourquoi c'est ces masques de con là? Donc, par exemple, tu vois, là il faut lancer un item sur un mob ici. Mais ça au CD3, bah la prison coal, bah évidemment, moi je t'apprends pas que c'est mort. Hein. Bravo le veau. C'est vrai que les Deathclaws ici, il y en a pas mal, voilà. Hein, ils sont pas mal les Deathclaws. Hein. Mmh. Dégagé. Ah, par contre, le problème aussi, Shota, ouais, c'est vrai que bon, ça va peut-être te faire un petit PTSD de Final Fantasy Tactics Advance, là, je sais pas quoi, là. Enfin, pas Advance, là, mais je suis sur PSP. Mais par contre, Nusret est seulement compatible en anglais. Mais bon, après, l'anglais de ce jeu, ça va, t'inquiète. C'est pas, oui, ayez-vous la bonté de bien vouloir me casser le cul, s'il vous plaît. C'est pas vous que je cherche les Deathclaws. S'il vous plaît. Voilà Kiki. Les mobs, ils ont perdu capitaine. I am the captain now. Voilà. Par contre, dépêche-toi. Tellement de merde. Bonjour. Normalement, ça trigger un message en fait. C'est ça qu'on cherche. Voilà. Voici un conseil. Allez sur les yeux. Monsieur. Voilà, et deux, un. Et un interrupteur, un. Plus que trois. En plus, ce qui est pratique ici, c'est qu'on peut sauvegarder. Voilà. Est-ce que la musique est buggée? Est-ce que... je vais prendre CCC, quoi. J'ai toujours la troisième en backup. Ok, maintenant, il faut requitter le jeu. Ensuite... Il faut aller au labyrinthe tornade, alors en anglais c'est quoi? Ouais, super. T'as pas eu l'interrupteur avec le papillon? Comment ça, quel papillon? Papillon de lumière, peut-être 703? Voilà, c'est ça. Il faut aller là exactement. Oh non. Attends, recharge la save parce que je sens que tu vas me faire une connerie là. Square Enix FF7. Voilà, cette save du coup, voilà. Donc tu vas là, cette Ascurrent save. On est bon. C'est le troisième en fait qui va être tricky. Enfin, un des quatre là qui est mort en fait. Bon, déjà, ces deux là, c'est mort. En fait, celui de la grotte Guy, je pense que c'est celui où c'est le moins mort, en fait. si t'en as laissé un... Opération Room? Non, c'est pas ça. Voilà. L'Empyrean Tornade. Ah oui, par contre, j'ai un problème. Ah, il me fallait le blondinet, en fait. Ah, merde. Ah! Merde.
Je réfléchis, attendez. C'est vrai, j'aurais dû faire ça peut-être. Attends, comment on fait pour revenir au vaisseau là? Comment il a fait à la fin? Ah, c'est un truc avec World Map. Oh putain, on va s'emmerder. C'est vrai, j'étais pas plus le meilleur endroit pour la World Map, non? Ah, attends. Ah oui! Attends, merde, mais j'étais où? Ah non, je suis là-bas! Non! Oh, c'est chiant, oh, je me suis mis dans un endroit de chiant. Non, faut que j'aille là. Je me suis mis dans un endroit de con. Ah merde. Le piaf papillon chez les Weeb. Non, 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 lui c'était juste pour chercher le mute masque en fait, Kiki. Tu vois, en fait, c'est de lancer le mute masque sur le desk clock qu'on vient de faire. C'est ça qui trigger l'interrupteur. C'est cet item précis, sur ce mob précis, qui fait l'interrupteur. C'est pour ça. Dis-moi, oui, c'est bon. J'aurais dû mettre encore plus loin comme un con, putain. Et oui. Non, je vais mourir! Désolé Kiki, il faut qu'on prenne l'autre con, hein. Mais t'inquiète pas, ça va être temporaire. Attends, tac. Évidemment, c'est un passage du jeu que tu peux avoir que Cloud et je suppose que le code du fil de script, bah ça va chercher les animations de Cloud, tout ça, mais vu qu'il n'existe pas, bah rip. Voilà. En fait, j'ai réussi à faire le truc de save, mais il bug et plante le jeu quand je save. Casse-couille. Aïe aïe aïe, bah t'as jusqu'à jeudi, Chota, hein. Pouah. Après, si tu veux, tu peux toujours m'envoyer ta save state et je peux essayer de faire des miracles hein, si tu veux, mais je te garantis rien. Sauf que là, cette fois-ci, je serai occupé, là, faut que je fasse plein de trucs avant avant dimanche. C'est dimanche, je prends la route. Je fuis. Je fuis tes tamaouts. Donc voilà, du coup, on a ce con. On sauvegarde. On quitte. Ensuite, on retourne là, on met Ice et Maze, c'est ça, voilà, 703. Non, non, espèce de con, espèce de con. On va y arriver, voilà. Ben, de toute façon, bon, il faut qu'on passe par là, malheureusement. Je vais pas vous expliquer pourquoi. Aïe, aïe, aïe. Tac, last field location, oui. Save. Et on recharge. Qu'est-ce que tu me fais? Oui. Ah, une erreur s'est lancée. Qu'est-ce que tu me fais, Steam? FF7, qu'est-ce que tu me fais? Je suis trop vite pour le jeu, je pense. Ah, la VOD YouTube va être bien. Hein. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux dégager? Merci. Voilà. Et c'est Game Ranger! Non, non, ne parle pas de sujets qui fâchent à Shot. Ne parle pas de trucs qui vont lui faire plus de PTSD que nécessaire, Kiki. Game Ranger. Ah. Ça, c'est du logiciel. Il nous abandonne la mage accidentelle. Comment ça nous abandonne? Comment ça. Master Chocobo. Ok. Normalement, voilà, ça marche bien avec le bon personnage. Et là, du coup, il faut que je fasse un Hero Drink sur le piaf, je crois, c'est ça, Moonbad? Attends, je réfléchis. Lucky Peel contre l'autre con. Ah non, 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 Lucky Peel contre les gros de Guy. Oui, c'est ça. C'est l'Hero Drink. Et du coup, voilà, il faut se faire frapper par là. Et ça va trigger un combat. Et c'est ce mob spécifique
Faut lancer ce putain d'item. Espèce de con. Et là faut lancer un Hero Drink 2. Si je le trouve. Ah. Hero Drink 2. Ah c'est ça. Pas le 1, le 2. C'est presque fini ici. Mais il y a nulle part où aller. Ah ouais, regarde. Je vais te montrer un chemin où aller. Ça s'appelle la mort. Quoi? Nani? Ah par contre, attends, le problème c'est que je me suis fait un peu balancer de l'autre côté là, en se chiant. Okay. Voilà, et de deux. Maintenant, ouais, maintenant la grotte qui. Alors ça, vous allez voir. En fait, il y a que le sud du manoir d'Ibelheim qu'on peut faire. Enfin, qui est accessible du moins. Ensuite, la grotte qui. Là, va falloir éditer la save. Là, va falloir faire des conneries. Parce que c'est de la merde. En fait, je vous explique pour la grotte qui. Il faut rentrer en combat contre un spectre qui. Le problème, c'est que le spectre qui au CD3, il n'existe plus. Et le seul moyen de l'avoir, c'est via les grottes dans la, comment dire, l'espèce de petite caverne dans la grotte qui, là où on active les interrupteurs, et soit ça accède à la suite de la zone, ou soit ça fait proc un combat avec trois spectres qui. Et bah c'est ces mobs. Mais sauf que vu que j'ai trigger tous les trucs, tous ces interrupteurs, et bah j'ai plus accès aux mobs. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Encore un bug? Oh, ouais, ok. Quelqu'un qui m'a reporté encore un bug de 36, tout va bien. Oh, tout va bien. Alors, du coup, celui-là, ouais, il faut faire des magouilles. Alors déjà... The Cosmo Cave, just to save a little bit of time to action. When I'm actually... This one is actually going to risk, if you want. Diff, big, I've got to do is open until test data tank options. Alors attends, déjà, il faut recharger le... La save, je pense. Pas qu'il y ait de conneries. Tac. Du coup, voilà. Alors ensuite, il dit voilà, il faut aller dans Settings, Options, je crois, ça configure, non? Non, c'est pas là, MDR, c'est où? Attends, mais c'est où qu'il a trouvé ce bouton là? Config. You know. So, as you can see right now, I've got Black Chocobo up. I've already got. Right now, and we're going to. Allez, configure, oui. Ah, oui, c'était là-dedans, ah oui. Donc, il faut aller dans Settings, Configure, Editing, voilà, et Show Experimental Text Data Tab. Et là, bonjour. Vous allez voir la connerie. So, we're going to go ahead and click that. And then, what we're actually going to do. Non, non, justement, en fait, Kiki, en fait, la strat, c'est éditer la save pour initialiser la variable pour qu'on ait accès, en fait, à ces cavernes pour faire trigger le combat. C'est ça la strat, en fait. Et je remercie le. Je remercie Mumba d'avoir montré cette vidéo là de Primal Liquid là, qui a fait une vidéo pour expliquer toute cette merde là. C'est moi j'avais la flemme de chercher ça en vrai. Alors il faut aller là-dedans. Voilà, Ugnovar. Ouais. Et là il faut aller dans Slot. Ah je vous dis c'est mystique hein. Là c'est de l'exa hein. Encore. We are looking for a very specific point here. We are looking for 0D5A. Now the good news is it basically goes in number and alphabetical order, so we can actually just scroll all the way down to 0D. So there's 0. Alors moi j'ai un problème, j'ai pas la même chose que lui. Ah moi c'est pas en hexa moi. C'est un peu chiant. Oh. Il faut juste faire la conversion, 0D, quoi. Let's see. 0D5A, right. 0D5A en Nintendo 32, ouais, conversion. Putain, 0D5A, ça fait quoi en valeur normale. Putain, il peut pas, y a pas un... En conversion hexa en décimale.
Ah voilà. Du coup, il m'a dit étant 0. Qu'est-ce qu'il avait dit? 0D5A. 3418 apparemment. 3418, j'espère que c'est ça. Attends, fais voir. Où ça sort la connerie? Right there. So again, you know, if you want to, you can just go to like 0D and then 5 and then, you know, Ça just sort la follow along. connerie. But yeah, there he is. So 0D58. As you can see right now, I've got D2 for hex, 210 for decimal, and then Non, bin non, c'est is le... just a bunch. Ah oui, exam, oui, mais attends. Non, mais attends. Non, non, mais ça non, c'est pas... Non, non, c'est vraiment la première colonne qui doit être en hexa, ça, c'est autre chose, ça, Kiki, je sais pas ce So que what c'est. we actually need to do, once we find the zero. En fait, non, non, Kiki, en fait, ça, je pense, c'est la valeur hexa de ce qu'il y a là, en fait. Tu vois? Du 1-1-1-1 bidule, là, tous ces trucs. Attends, mais c'est pas possible, attends. Je pense que c'est ça. D5A, we want to change the decimal unit. So double click on the decimal place there. For me, it's 210. For you, it might be different. And we're going to change this Bon, ce sont les to conneries, hein. 002. Okay, Ouais. once you've done that, just hit enter. And then all you need to do is go to file. Save as normal, and then you just load your game up. So I'm going to go ahead and load the game, and then we will be right back, everybody. Ouais, mais il faut que je me TP. Je sens le fail. Je vous dis pas, je sens la connerie. Oh putain. Voilà, faut que je me TP là du coup. Si c'est un first try, ça c'est incroyable. Je suis pas sûr de cette idée, hein, moi je vous le dis. Hein. Mais en gros, voilà, c'est ça la manip, c'est ça qui m'a bloqué l'autre fois en fait. Parce que ce TP sur les autres zones, tout ça, bon, ça c'est facile, vous avez pu voir. Mais trouver cette valeur spécifique pour dire, voilà, ça c'est le trigger de la grotte qui. Oh, vas-y. Hein. En vrai, peut-être j'aurais dû demander à Sega Chief ou à un modeur d'FF7. Moi j'avais la flemme. Hein. Au secours. Rien que la musique déjà. Ah non! Ah oui, attends. En tout cas, ça marche, on dirait mon histoire, on est bien d'accord, ça a marché. Non, merci, c'est quel interrupteur? C'était dessus, tout à droite. Bonjour? En fait, vous avez vu, tous les mobs ici, ils ont tous changé en fait, donc c'est pour ça qu'on est baisé. C'est pour ça qu'on est bien baisé. Oh, Mumba, où sont les mobs Mumba? Merci, voilà, c'est eux que je cherche. Donc en réalité, voilà, c'est eux précisément. Et là, du coup, il faut lancer une Lucky Pill. Normalement. Ah non? Ah non, c'est pas ça? Oh non. C'est pas ça qu'il faut faire, Mumba? Mais comment ça? Text, which is we can walkie face them. Once that's done, once again. Ah non, c'est le Black Veil! My bad! Oups! Pourquoi j'ai noté Lucky Pill, moi? C'est bizarre. Oh, Mumba, c'est un faux chat du Mumba. Attends. Cette zone me fait tellement bader à chaque fois, quoi, c'est fou. C'est le Backveld qu'on a envoyé. Voilà. Beyond the Veil? There is a time and a place for that, ah ouais? Regarde bien. Dégage! Et 2-3. Et bah je pense qu'on est bon, non? Ah, il faut que je sauvegarde par contre. Merde! Oh non! Normalement, je peux revenir au canon Cosmos. Oh, peut-être on va faire le super boss du coup là. Puis demain, enfin pas demain, mais le prochain on finira le jeu. On conclura ce truc.
Par contre, bon, s'il te plaît, là. Je vais me barrer sinon? Ouais. Ah, c'est bon, ça va. C'est pas, je m'en fous de vous, mais. Voilà. Et du coup, il en manque un. Ouais, mais ça, du coup, c'est meilleur niveau AIM, donc ça doit le faire. Oula. Parce que le. Ouais. C'est les Dazer, c'est ça? Ouais, mais je sais pas sur quel mob du coup. Ce serait pas le Jean-Michel faux là? Évidemment, là, je peux pas sortir du canon Cosmos parce que y aura un petit problème, quoi. Y aura un petit problème pour rejoindre le vaisseau. Ah, Jean-Michel, c'est truc volant, tu penses? Ouais, je sais pas. Holy Mirror, ouais. Bah, qu'est-ce qu'ils disent en fait? Attends. Days for keycards, ils disent. Days for keycards. Mais c'est quoi la putain de keycards de mort? Qu'est-ce que tu veux dire par là, espèce de con? La keycards de mort. Zoup. Et là, du coup, il faut venir se l'avoir le map. Rocket. Voilà. Là. Je pense qu'on est bon, non? Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Oh putain, non, mais dis pas que t'es encore planté. Ça c'est. T'as Game Ranger qui était plus stable, putain. Voilà. Bon voilà, en gros, ouais, c'est ce qu'il faut faire pour débloquer ce super boss de mort. Ou soit évidemment avoir l'info avant. Mais bon, il faut avoir l'info avant, quoi. Merci Sega Chief. Non, mais c'est un jeu Cowboy MDR. Non. Et du coup, la question qu'on doit se poser, c'est où se trouve ce super boss, du coup? Voilà, si on a fait les interrupteurs, tout ça, c'est rigolo. Mais où se trouve le super boss? Et je me suis pas spoil pour ça, mais en vrai, je crois savoir où c'est. Parce que rappelez-vous, à la grotte nord, on avait vu un truc bizarre, genre des. On avait vu 4 sauvegardes inanimées dans une zone. Et voilà, le truc au milieu. Est-ce que les 4 sauvegardes inanimées par hasard, ce serait pas les interrupteurs du coup? Et peut-être avec le drop qu'on a eu sur le super boss de tout à l'heure de Nibelheim, est-ce que voilà. Avec son item, du coup, on le débloque. C'est ce qu'on va voir du coup. Merci. Alors. Oui. Bon, est-ce qu'on garde la Dream Team ou pas? On peut la garder, hein. C'est là, pour l'instant, la team du Kiki, ça, ils sont emmerdés, là. Hein. On s'est emmerdés, hein. Bon. On s'est... Hein, c'est l'arme émeraude et la bouboule, là. Le boss secret, c'est une corruption de sauvegarde. Non, pas Master Chocobo, tu restes. Couchez, Master Chocobo, couchez. Ouais. Alors, on va peut-être virer le truc devant là. Et malheureusement, ouais, je crois savoir c'est qui le super boss secret du jeu et ça m'emmerde. Ça m'emmerde, m'en fait spoil. Et bon, on va voir. M'en fous. Ok. Alors, en vrai, on pourrait finir le jeu ce soir, je pense. Si c'est au 20, hein.
On peut dépasser une petite heure là, on finit tout. Je sais pas si je peux casser la gueule à Sephiroth, mais enfin oui. On va voir, on va voir. C'est ça, en fait ça dépend. Je dis ça, mais ça dépend si le super boss on lui casse la gueule ou pas quoi. Alors, je vais sauvegarder de là. Voilà. Oh, ils disent, ouais, des heures pour Keycards, mais Keycards, mais. C'est quoi le rapport avec Keycards, bordel de merde? Attends, en vrai. Oh, Mumba, où est la bouboule, Mumba? Où est-elle? Où est-elle, la bouboule? Où est la bouboule? Oh, des heures, j'en ai quelques-uns là. C'est pas lui par hasard. Non. Ce n'est pas lui. Razor Ring, c'est de la thune ça. C'est de la thunasse. Rappelez-vous le manoir, c'est pour ça de la thune entre les refettering, tout ça là, le Razor Ring. Om nom nom. Thunasse Land ici, hein. Bon, Mumba, tu dis c'est ça là du coup? Voyons voir. Est-ce que j'aurai le temps de jouer? Oh no. Ok. Eh ben non, Mumba, c'est pas eux. C'est pas eux. Ou peut-être les miroirs, ouais, hein. Parce que je rappelle qu'il y a aussi Zombieman en bas là. Ah, y'a une arnaque à faire avant de faire les dazers. Ah, t'es sérieux? Ah, no! Ah bon? Alors, est-ce que je me spoil sur la vidéo de l'autre ou est-ce qu'on cherche comme des connards? Ouais. Ah, ben non, je peux pas vous mettre ça sur le chat. Si, je peux vous le mettre. En gros, c'est ça l'indice qu'on a. En gros, c'est ça. Forgotten in house, days for keycards. Mais Bah, je sais pas, moi, Mumba. Je vais check vite fait pour voir. Amy, si tu me dis juste quel mob c'est. Mais Merde. Oh, je réfléchis là, hein. Genre. Days for keycards. Je comprends absolument pas c'est quoi le rapport avec une keycards en fait. Voilà, j'ai une keycards. C'est les citrouilles du coup. Merci à tous, c'était un bon stream. C'était un bon stream du coup. Oh mais il donne du mun masse ces bâtards. Faut faire quelque chose seulement avant de le daze. C'est plein là ? Quoi ? Ouais ? Alors c'est de l'argent ? Je sais pas, mais il y a tellement de possibilités, c'est horrible. Bon, les confus, ils sont insensibles à confus. Attends. Oh non, vite, vite, j'ai pas le temps. Vite ! Oh, peut-être. Ah non, j'ai cru. Oh. Genre de le rendre. Ah, d'accord. Ah bon. T'es sérieux, Mumba? The fuck. Mais quand... Oh putain, vas-y. Comment veux-tu que je sache ça en fait?
Bâtard. Arrête, arrête. There is a key. It's close by, don't die. Mais il se barre. Il s'est barré. Oui, si tu veux. D'accord. Non mais, comment tu sais ça, Moomba, en fait? Ah mais faut que je me barre, du coup? MDR? Ok. Et voilà, je pense qu'on a tout, on a tous les interrupteurs, du coup. Ok. Oh, pour le savoir, aucune idée, non, mais j'avoue. Mais c'est quoi le rapport avec Keycards? C'est quoi le rapport? Qu'on m'explique. Ah mais c'est pour ça que l'autre il disait qu'il fallait un vaccin dans la vidéo, Moomba. Oh. Ouais non mais même c'est quoi le rapport avec le vaccin Keycards, Covid, mon cul Fuck. Bon, on va sur écouter, on va mourir hein. C'est parti pour mourir. Alors là du coup c'est une découverte hein, parce que Super Boss c'est une exclue à 2.0. Tu sais pas quoi m'attendre hein. De toute façon, c'est une grosse chasse à défoncer ce boss. Et bah voyons voir. Alors, je suppose qu'elle est là, hein. J'y vais en mode YOLO, mais... Je suis sûr que c'est la salle à côté, à la dépôt magique, tout ça. Attends. C'est là, ça sent la connerie ici. Non. Surtout pas. Ça va en vrai. Ouais, c'est pas Blamboury dans Transic. C'est pas comme le mec qui m'a produit ça sans ligne sur Steam, hein, Moomba. Je sais pas si t'as vu son commentaire, mais. Oh lolo. J'ai envie de le prendre par les cheveux, c'est comme ça là. Vas-y, lève plus haut sur le poste, regarde. Ah oui, ouais, hard mode, voilà. Connard man. Putain. Oh, mais ça va quoi. Hein? C'est bon, je suis pas Mexico, bordel. Oui, c'est bon, merci. En trois mots, mode de merde. De quoi? Ah oui, non, enfin, je sais pas. Non, en fait, il dit juste que, bon, Blamboury est un peu cancer, quoi. Bon, allez, peut-être le morphier, au lieu de mettre en multi, je vais le mettre en mono, allez. Mais le reste, je change pas, hein. Par contre, je pense que je mettrai plus de pression, tu sais, pour sa mécanique. Ah, je spoil pour Shota, non mais... Shota, t'inquiète pas. C'est pas un gros spoil. Peut-être je boosterai sa mécanique, tu sais, quand il suce les points de vie à Daga. De toute façon, faut que je revoie, là, vu que j'ai... J'y rework des statues, là, faut que je revoie tout ça. Bonjour. Le résumé du pavé. Non. I am the captain now. Par contre, l'autre qui arrive pas à passer Valser 1, lui il était à deux doigts de le dire, je pense. Hein. Oh no. Oh, je pense qu'on est mort, hein. Rip. Bah. On a un crystal save ou pas? Je sais pas. Ah ouais. Ah non. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, ça va. Ok. Je pensais qu'il y a un message qui allait spawn comme l'inlimit boy, tu sais. Attends, c'est où déjà? C'est là. Je sais plus où ça sera. Bah c'est ça Moomba, bah oui, c'est le but. En fait les joueurs ils jouent au jeu comme si c'était voilà le jeu de base tu vois, mais non. Bah non. Et en fait je suppose qu'il y a des joueurs qui jouent en ATB actif tu vois, alors eux c'est des zinzins. C'est un mec qui m'a dit ouais Venom c'est violent quand même. Ah ouais mais tu joues en actif donc forcément bah rip. Bah c'est un peu le problème aussi, bah ouais mais de toute façon voilà, de toute façon je peux rien faire pour ça hein. C'est soit les boss, je les règle sur le mode ATB active et ça fait qu'en attente tu les défonces.
Ou soit je les règle en mode ATB attente, et en ATB active c'est quasiment impossible. Bah... Ah non. Y a pas de juste milieu malheureusement. Et après évidemment j'ai pas testé les trucs en mode tour par tour. Oh putain c'est vrai qu'il y a... Il y a un combat ici, on peut se faire baiser hein. Il y a un combat ici, on peut se faire défoncer hein. Merde mais quel con. Non mais ça je m'en souviens de l'astrade, pour les cancels. Ils sont sensibles à l'aine putride. Bon par contre on s'emmerde là, oui on s'emmerde. Escape c'est où? Y'a pas escape? N'existe pas dans ce mode? Ah si c'est téléporte. Tu m'as saoulé. Et là je me téléporte à la prison de Coel. Merde. Par contre j'arrive Kiki, t'as fait 2000 de dégâts. On en parle Kiki? Ah ouais ouais d'accord, t'as fait 0 de dégâts contre ce mob, bah ça promet. Les mecs qui osent 5 tours morts sur du trash mob. Ah mais en fait le problème de celui-là, Kiki, c'est que tu peux te faire prendre en sandwich. Oh la flemme. Normalement, c'est la salle à droite où ça va être plan cul. Je me chie dessus. Bonjour. Nul. Yuffie n'a pas tué beaucoup de gens dans cette partie. Heureusement. Vraiment. Oui, on va y aller comme ça. Bah écoutez, on est parti. Le super boss. Le dernier. Au secours. J'ai peur. Cher viewer, j'ai peur. Il me semble, sans trop spoil, qu'on va affronter un monstre qui s'est installé sur la Terre depuis un petit certain temps, voilà, on va dire ça. S'il est là, non mais ouais, bah j'espère. Oh shit. Oh shit. Alors, j'ai peut-être ma petite idée pour trigger le boss. Oh shit. Est-ce que j'y vais à l'arrache comme ça ou pas? On teste. Déjà on teste pour voir si ça, on peut le trigger. Ou de penser à optimisation de stuff, tout ça. Je peux parler à ça ou pas? Awoken. On est bien d'accord, oui, voilà, on est d'accord, voilà. Ça voilà, on est bien d'accord, ça c'est les 4 interrupteurs, ils sont réveillés. YOLO. Ça, attendez, si vous avez pas la ref. Ah, voilà, là je vous fais traîner là, le suspense. Le suspense de mort. Est-ce que je peux trouver ça? Vérifie, ouais. Parce qu'en fait, il me semble que la dernière fois que j'y suis allé, les points de sauvegarde étaient tout noirs, en fait. Et je crois que ça était marqué inactive. Je pense que c'est plutôt là-dedans. Oh! Ah merde, attends. Faut que je trouve la save où j'étais à la grotte nord en fait. Ah oui, c'est bon. Attends. Ah merde. Ok. Ça va être celle-là du coup. Voilà, c'est ça. Regardez, je monte. Je vous montre vite fait. Tac, voilà. Donc ça, c'est une vieille VOD. Et la dernière fois qu'on y allait... Déjà, la musique change pas. Ça, j'avais remarqué.
Regardez, en fait, voilà, les points de sauvegarde étaient comme ça, en fait, vous voyez? Ils étaient morts. Mais maintenant, du coup... Oh là 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 là! Et ben, je crois qu'on est parti, hein! Oh shit! Merci à vous! J'espère que cela vous aura plu! C'est loin de mourir! Oh shit! Oh! Oh, pas mal, pas mal! Shota, Shota, c'est encore là, j'ai peur! J'ai très très peur, Shota! Ferme les yeux, Shota! Je vais pas bouger! Oh, c'est long quand même, hein! Au secours! Je peux jouer ou pas? Quoi, il m'a absorbé? T'inquiète, Jota, y'a pas de soucis. Wouah! Oh, oh! Oh, ouais, d'accord, Mumba, c'est trop classe. Non, mais de toute façon, je comprends c'est qui ce super buzz. J'ai compris. J'ai compris, Mumba. Oh shit! Et ça, si j'ai pas de bêtises, il me semble que ce sont des cétrans en fait. Aïe 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 aïe! Et là, surprise motherfucker! Putain! Oh non, 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 c'est un personnage FF7. Et pas n'importe qui d'ailleurs. Bonjour, j'ai peur. La calamité des cieux! Ah oh connasse! Ok. Oh, oh ah ouais, 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 j'ai compris. Attends, je vais voir c'est son nom ou pas? The Calamity! Oh damn! Alors, ça c'est chiant. Ça c'est ma one shot. Kiki, résiste Kiki! Les dégâts sont pas mal. Pourquoi j'ai pas une ennemi skill? Parce que j'ai retiré comme un con? Eh ben super, bravo! Ouais, 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 attends, ouais. Ouais, 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 ouais. Si je rappelle Shadowfer dans ce jeu, ça a une chance de one shot, hein. De faire mort! On serait pas un peu une grosse connasse, pardon. Par contre, c'est tentacule, je sais pas quoi ça sert. Oh, merde, mais je m'en souviens plus de la mécanique de site, ça fait tellement longtemps. D'accord. Ok. Wow. Ouais, Jack a un petit problème, je pense, hein. Au revoir, Jack. On a plus de tank. Merci à tous, c'était une bonne game. C'était la calamité. Oh, c'est quoi ce bug? Oh, le ciblage de ce jeu est insupportable. Nul! Vite, 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 à Ultima, à Ultima! Merde, j'ai pas cadre de magie sur Ultima, merci à tous! Je pensais que je l'avais. Et pourquoi j'ai pas ennemi skill, bordel de merde? Attends, est-ce que je peux bouger le jeu ou pas? Non, je vais pas bouger, je pense. Je pense qu'on va pouvoir bouger. Ah, quoique. Oh, t'es chiant là. On aime me dispel hein, de ce que je vois. Par contre, ça m'énerve, j'ai pas ennemi skill là. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Assimilate. Ouais. Au revoir, Kiki. Ça, ça rappelle quelque chose, Mumba. Oh merde. Je crois que c'est dispel, non, pour virer ça.
Attends, attends, qu'est-ce que tu me fais là? Kiki! Traitor! Nul. Kiki! Judas! Je vais le dispel, mais c'était trop tard. Ok, ok. Oui, bah oui, bah oui, mais ça sert à rien. Ah, d'accord. Mais non. Il tape un peu, oui, oui. En vrai, ça va, ça va. En vrai, ça va. Mais j'ai pas une Amy skill, ça, qui me casse les couilles. Ok. Ouais. Plague. Ah. Ah merde, est-ce que vous pouvez me tuer? Ça m'arrangerait. Ah oui, d'accord. Ça, c'est les boomerangs, c'est ça, non? Ah oui! 9999 dans ta gueule. Le problème c'est Kiki, il tape pas là, il fait des dégâts Kiki hein. En vrai le Mega Hall ici, ouais non, non Mega Hall c'est pas une bonne idée. Bonjour. Tiens. Un petit Ultima là, vas-y là, je suis sûr que t'as Ultima en stock là. Hein. Me dis pas que t'as que des magies pourries là. Ah, c'est Kiki avec Dragon de Force. Oh oui, oh, on le défonce le boss, ouais. On la défonce. Mais j'ai pas Dragon de Force, ça m'énerve. Ah. Apparemment Jack est tank. Allez, bien joué. Ah oui, vous voyez la différence de dégâts entre Jack et Kiki. Ah ouais, ouais. Allez, vas-y. Salut. Est-ce qu'elle est toujours saut? Bah non, elle est morte, ouais. Elle a pas... elle est plus saut. Bon, bon, déjà, il y a un peu plus de challenge que Cosma, hein, c'est sûr. Oh, connasse. Est-ce que j'aurai le temps? Ok, normalement ça dispel, ça vire de manup ça. Yes! Connasse! Par contre, elle a pas cancel son attaque! Espèce de Weebo! Bon bah au revoir, hein. C'était une bonne game hein. Ok, ok. Oh Jack, Jack, Jack le bro. Jack le rat! Oh, oh. Oh no! Esquive! Oh, ok. Ah oui, non mais oui, d'accord, c'est sa combo attaque. Ouais, d'accord, ok. Ok, ok. Mais par contre, où est Emni Skill sinon? Il est où? Non mais en vrai, ça va. Il faut juste un truc pour bien nettoyer en AOE. Et je parle pas de la chevelée de table ronde de mes deux. Ça, c'est casse-couille comme attaque. On s'emmerde. Ok. Ok. Ah mais Kiki était en première ligne aussi, alors attends, du coup sans vire. On va lui mettre long range. Tristesse, ça sert dans New Threat ou pas? Je crois que ça a été grave nerfé, hein. Je crois que ça a quasiment plus les dégâts, c'est pas... Faut faire ça. Alors attends, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette merde? Où est mon truc? Oh, j'ai fait le con, hein, c'est ça, hein. Ok. Ah oui, j'avais laissé sur Comet. Tu con. Bah, il faut le Tima là. Hein. Et encore, elle a l'air d'avoir beaucoup de. Par contre, ils disent que ça vit 8 fois, mais ça marche pas en fait, c'est que 4 fois. Terrible. Bon, après, on pourrait sortir un petit chevalier à table ronde, oui. Bon, un petit Bahamut zéro, là, je sais pas. Sinon, Kiki, on les met méga haul. Et là, bleu, toutes les tentacules, là. Mais le problème, c'est qu'il aura plus la quadruple attaque, en fait. Et ça, c'est terrible.
Ouais. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Kiki? Qu'est-ce que t'en penses? En mode, on défonce tous les mobs en AO. Ah oui, c'est vrai, je peux te mettre au beat le fearing. Ça, tu l'auras déjà. Est-ce qu'en mode, on extermine là, tous les tentacules, ça, là? Et on laisse que le boss? Mais je vois bien la connerie, si le boss est tout seul, c'est... elle va débloquer d'autres attaques, là. Je vois bien la connerie, là. Attendez, excusez-moi. Bon, au pire, YOLO, on va y aller comme ça. Parce que n'oubliez pas, hein, Kiki, c'est le capitaine. Hein. I am the captain now. Reste en focus, eux, c'est-à-dire quoi, eux? Reste en focus? Ouais, Yuffie en multi. Ouais, mais je pense que le... J'ai l'impression que ces 4 chiffres s'amusaient beaucoup à booster la magie défense, mais la défense physique, bon... On va voir, hein. Sur la cheveux vers le truc direct. Bah, let's go, hein. Par contre, le problème, c'est que... C'est l'intro qui... On peut pas accélérer le jeu ou... Non, y'a pas ça. Ok. Mais voilà, mais de toute façon, je me suis fait spoil. Je savais que son nom, c'était la Calamité des Cieux. Bon, là, ça s'appelle la Calamité, mais voilà. Bon, pour ceux qui ont pas compris, c'est... On affronte Genova dès qu'elle débarque sur la planète, en fait. Alors pourquoi elle est moins forte que maintenant? Je sais pas. Et du coup c'est pour ça qu'on voyait les cadavres, ça c'est les Cetra en fait. Qui se défonçaient par Genova. Bah en vrai on l'appelle Genova mais c'est pas son vrai nom, enfin moi j'ai compris. Bah, par contre elle spam pas mal dispel hein. Elle aime le petit dispel hein. Je réfléchis. Du coup, il faudrait que The Wave fasse Dragon de Force sur Kiki. Et encore, c'est pas tellement la priorité, je dirais. Après, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a une façon de résister à manipuler, c'est résiste. Il me semble qu'avec résiste, tu résistes à manipuler, non? Y'a pas une histoire comme ça, Mumba? Ah, je sais pas. Hein. Attends, résiste, ça coûte cher, hein. Mais bon, choisis, c'est pas un problème. 120, ouais. Franchement, je vais te faire Dragon de Force sur Kiki et résiste sur lui. C'est risqué, mais... T'as combien de défense, Kiki, d'ailleurs? 186 de défense? Mais t'as autant que Jack, tu te fous de ma gueule? Bon, par contre, Magic Def, que dalle, hein. Ouais, Je sais pas. Est-ce que je fais résiste sur Kiki et Dragon de Force? Et puis après, il y va en mode YOLO. Ok, la TB est bonne. Pécha. Ouais. Oh non, j'ai oublié ça. Non, c'est bon. Ok, ok. Non, pas ok. Bon, Jack. Allez, Kiki, à toi de jouer. Beaucoup d'esquives, hein, les mobs. Hein. Par contre, ils contre-attaquent en fait, les tentacules. Ouais, c'est chiant. Oh non, dommage. Ah, non. Je pense qu'il va pas survivre. Hein. De peu. C'est pour ça que j'ai pré-shot le Renew. Om nom nom nom. Ça va pas suffire. On tente. Ah non! Oh Jack qui prend trop cher. Hein. Oh non! Ah ouais! Salut! Salut Jack le rat! Un man Kiki, il s'en fout de ça. T'as l'esquive la grognasse hein. Non Kiki non. Kiki. Non. Non. Ah ouais bah rip. À moins qu'il esquive mais...
Non. Et merde. Ah, il faut que je setup Jack d'abord, parce qu'il prend trop cher Jack, c'est abusé. Putain, mais en plus il a un truc qui nerf, fait chier quoi. Bon Jack, t'es encore mort, c'est ça? Je pense que oui. Il faut que je vire le truc de Jack qui divise par deux le soin là. C'est casse-couille. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Non merde, j'aurai pas le temps. Ouah, 7500 Kiki. Ah dommage. Par contre, Jack va encore mourir, je pense. Hein? Le vent blanc? Oh, yes. Yes. Je défends Diaket Jack. Défends! Oh putain, non. Alors, on va voir si du coup. Merde, putain. Oh non. Je trouve pas dispel! Ça marche pas du coup, résiste sur manip. Merde. Ah, c'est chiant. Par contre, est-ce que dispel vire le crit à 100%? Toujours pas que Dragon de Force, mais Booster. Shuri, bon, il l'a déjà. Ouais, d'accord. I am the captain! Rip. Oh, ça tabasse, hein! Ah, mais attends, c'est vrai, attends, j'ai la compétence craquée là! J'ai pas le temps de le faire. Les tentacules contre-attaque à tout, d'accord. Est-ce que ça a été corrigé ce sort ou pas? Est-ce que c'était fixe? Ah! Ça a été fixe? Ah, est-ce que ça faisait en fait ça. Ça faisait un live 2 gratos sur tout le monde? Ah, rip. Rip Yuffie. En gros, ça fait super mal ça, non? Oh, bien joué. Ah oui, c'est le CFX de bravoure, d'accord. Ok. Au revoir Yuffie. Ah non mais attendez, il y a le Phoenix. Le Phoenix Shota, il est là. Ton Phoenix. Ah mais passer des pelles. Eh ben non. Oh c'est lui le plot, ça va. 25% égale 100%. Ok. Bon au moins on a un vrai boss putain ce con, on commence à s'emmerder. On commence à s'emmerder ici. Non mais en vrai je virais le shearing de Kiki. C'est pas bon. Ok. Il faut qu'on setup Jack en fait. C'est ça le secret. Par contre résiste ne résiste pas à Manip. Oh ça c'est la merde. Raté. Felix il fait grave. Nickel et toi, ouais, ça va. C'est le fameux secret boss, ouais, je le découvre, ouais, on le découvre tous ensemble. Et en vrai, c'est rigolo. Bon, après, c'est, je le fais niveau 70, hein, mais bon, là, il est tellement jouable à ce stade du jeu. De toute façon, nous serait, hein, c'est pas un mode où il faut grinder comme un enculé. En fait, son problème, c'est ses attaques physiques, mais de toute façon, l'attaque physique, là, 180 de défense. Ah oui, c'est vrai, attends, ça sert à rien ce truc. Sinon, on lui met Misty, le 0 de défense et. Non, non. Sinon, je lui mets ça. Ça, c'était trop. Ouais, c'est la Weeb là qui a ça là. Résiste au lit, souper au lit. En vrai, j'ai envie de lui foutre ça, hein. YOLO. Puis ça, Jack. Tester, hein. Ça sera tapé ça à chaque fois, par contre, c'est gachi. Oh. Aïe, aïe, aïe. Il a dû mettre une save avant le boss.
Ah mais il y a un item en haut, regardez, je l'ai même pas vu, il y a un item planqué en haut, regardez. Regardez bien, derrière les feuilles. Putain, ça se trouve, il y a 40 mégalixirs dedans. Ah oui, eh oui. Oh shit. En gros, l'idéal, c'est qu'il faut que je mette Regen sur Jack. Franchement, Jack, il va passer son temps à la défendre, ça va être dur, je sais pas. Il faut au moins que je mette Regen et Defend, quoi. Et on va essayer de tester Ultima, peut-être, là, parce que Kiki, là, j'avoue qu'il prend bien sa race, hein. Je pense que Kiki fera le taf quand il y a plus d'ad, quoi. Bonjour, madame. L'item qui permet de pas avoir activé les interrupteurs, t'imagines? T'imagines, il a rajouté ça sur la dernière mage. Merde, je vais te faire un truc. Je vais te virer le con. Oh, tu vas pas me le tuer là. Wouh! Voici un truc, hein. Ah non mais non mais il misait la mort instantanée donc ça va. Budada. Ça c'est chiant. Allez Yuffie, tu fais combien de dégâts là? Oh, vous avez vu hein? Oh c'est dingue hein. Elle a plus de 200 de magie hein. Non mais Kiki je vais te foutre méga haul hein. Par contre, ouais, si je fais ça, non mais ça la fout le contre-attaquer en fait. Non, c'est pas une bonne idée. Ah ouais, ça fait zéro de dégâts. Hein. Ah, attends. Oh bordel. Ah ouais. Et là, je vais me prendre full contre-attaque. Ouais. 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 Ah mais j'ai plus Regen en plus. Ah bien. Bien. La TB active qui me baise. Ah oui, ah oui. Elle veut le cul de Jack, hein. Et est-ce qu'on teste déjà la table ronde pour voir? Est-ce qu'on est à ce niveau d'emmerde là? Hein? Putain, tu m'as fait peur, Kiki. Est-ce qu'on est, on est à ce niveau d'emmerde? Oui. 300 dégâts par coup. Allez, Shota, c'est pour toi. Le spam lâché de la table, il est là. Pas du tout. Ouais, c'est vrai. Bon. Ouais, bon, hein. Hein? On verra ça demain. Après, il y a une strat, ouais. Après, en vrai, je mets double attaque sous Kiki, comme ça, ils se concentrent uniquement sur un mob. Au lieu de la cadoplata qui peut... ça peut être vénère. On peut faire ça sinon. De toute façon, ça va faire combien là? T'as affaire du... combien là? Ouais, ça a fait... 150 000 de dégâts, non? C'est pas ça? Je sais pas. Non, qu'est-ce que je raconte, 50 000, non, pas du tout. Dans les 16 000, 15 000, 16 000. Ouais, ça le prend. Alors, ouais, voilà, là, je pense qu'il est mort, Jack, hein. Ah ouais, ouais. Oh la vache. Ah ouais. Ah, mais elle est morte aussi. Ah, super. Pouh, ah ouais, la compte. En fait, le problème de ce combat, c'est les tentacules qui contre-attaquent, ça fait super mal. Il faut qu'on les fasse une par une, je pense, on n'aura pas le choix.
Le... Est-ce qu'il contre-attaque là comme ça ou pas? C'est ma question. Non. Ok. Au revoir Jack, je pense que t'es mort. J'ai pas le temps, je pense. Ok. T'as mes tentacules, quoi. Ok. J'ai prévu le coup. Oh, t'es chiante. Ah bah oui, forcément. Forcément. Ouais. Ouais. Ouah, ça tabasse, hein. Ça tabasse sa mère, hein. Ouh là 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 là. Bon, je vous confirme, c'est un super boss, hein. J'ai bien envie de tester cette strat, là, que j'ai dit, là. C'est qu'on va l'y mettre... Si je trouve. W attaque. Avec un compteur peut-être. Voilà. Ah oui attends, alors Jack, qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais c'est quoi qui réduit par deux là? C'est soit un Jack là, il a rien là. C'est pas son Zedrich quand même, bah non. Ah, c'est pas l'escort guard? Resist Cut et Pierce? Non, attends. Mais non, la période guard, je sais pas. Non, je comprends pas. Parce qu'avant, en fait, ce qui faisait ça, c'était genre la... la champion belt et tout, mais je crois qu'il ouais, il a retiré tout ça, Sega Chief, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a branlé? Je vais le laisser Fury Ring, ouais. Compte, ouais. Tabasse ça la grognasse, hein. Franchement, si j'avais Claude à la place de Jack en tank, je pense que ça aurait été drôle. Si je rappelle que la mécanique de Claude, c'est quand il défend, il contre-attaque, donc et je crois qu'à chaque coup, il contre-attaque avec la commande défense, donc c'est ouf. Mais bon. Ah oui, du coup, on va voir c'est quoi cet item là qui traîne. Oh. Oh. Calme-toi Kiki, calme-toi. Kiki qui est en mode va chier. J'ai clutch le combat des actes comme ça, oui, oui, tu m'étonnes. Alors comme ça Kiki, tu veux le cul du Tambéry. Bravo. C'est ça, bah, c'était le but que j'ai fait aussi avec Cloud, c'est full défense et attaque. Gospel Spark. Oh mais attends, mais c'est ouf ça. Wait a minute, c'est pas un truc pour se mettre invincible ça? Sur tout le monde? Grand Peerless. Hein, ouais? On va pas tricher, hein. Pense à l'item, oui, c'est bon, c'est bon. En fait, je réfléchis comment Jack peut être plus tanky, mais là, j'ai pas de moyens, là. Ah, attendez, attendez. Attendez, si, si. Peut-être que si je lui mets... Attends, mais il a pas... Mais ce con, il a pas achevé plus, en plus. Sus. Ah non, mais non, c'est l'autre qui l'a. Merde, c'est vrai, pardon. Dextérité, strange, dextérité, ouais. J'aurais envie de lui foutre Titan, peut-être. 140 de défense, alors là, je suis à fond là. Là, je suis à fond là.
Et ben on va tenter comme ça. Mais c'est ça, c'est vrai. J'aurais dû se regarder. En fait, c'est ça. Si Jack est mort, c'est la panique. Parce que toutes les tentacules font des attaques physiques pour l'instant. L'autre grognasse, bon, à part son manipulation, là. C'est plutôt ok. C'est surtout son manipulation en fait qui est terrible. De toute façon, ouais. Kiki va faire tous les dégâts, je pense. Comme d'hab. Et Jack et Yuffie, full défense. Par contre, je comprends pas pourquoi. Sinon, je claque mes méga elixirs, ça, on y va comme des bourrins là, c'est le dernier combat. Hein. Pourquoi on s'emmerde? Pourquoi on s'emmerde? Par contre, le fait que Jack se soigne de moitié, ça m'énerve ça. Y'a pas un truc genre résister à la manipulation? Il a pas mis un item comme ça, non? Non, je pense que j'hallucine, c'est ça? C'est, ouais, Yuffie, elle avait ouais, 204 de magie quand même. Hein. 1000 à l'ultima, MDR. Oh damn. Non, mais déjà, au moins comme ça, on sera moins contre-attaqué, je pense. C'est Philos. Ouais, j'ai été utiliser ça, ouais, Luplo. Oh, en fait, je sais pas ce que c'est comme type d'attaque qu'a fait l'autre là. Oh putain! Mais what the fuck! Oh là 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 là, mais quel sale. Oh, pardon. Alors là, Kiki, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Oh, t'es pas mort. Ah si. Le chaos instant qui a trigger. Et life 2, ça te met full life ou pas? Ah voilà, merci. Ça, c'est chiant. Aussi, cette attaque, c'est un problème. Hein. Ah ouais. Hein. Cette attaque est un problème, effectivement. Ah ouais, alors là, elle m'a dominé, hein. C'est vrai qu'il a un auto-est, Jack. Ah oui, bah salut. Et bah c'était expéditif. Oh là 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 là. Oh, j'ai peur. Non mais au pire, c'est plus rapide de faire ça. putain. Alors attendez, du coup on avait dit. Non, ça c'est bon. Ça c'est bon. En vrai, attendez, il faut que je lui mette résistance à slip à elle là. Nulle gravité. On n'a pas de ruban, il n'y a pas de ruban dans ce jeu. On les a pas. On n'a pas débloqué de ruban. Je suis étonné. Résiste blunt, vitalité 50. Ouais, mais en fait, le problème, Luplo, si je vire les sprint shoes à Jack, il aura plus de vitesse en fait. Là, c'est terrible. Là, c'est terrible parce que Jack il a 156 de dextérité. Donc, si je lui retire ça, allez, salut. Hein. Trop fort, ruban. Ah non, ruban d'un version 1.5, c'était un peu chiant. Je sais pas, Luplo, je sais pas du tout. Non mais en vrai j'avais mis un truc pas mal. Ou soit attendez, sinon il y a une autre solution. Non mais attendez. Parce que ça en vrai on s'en fout. On va mettre c'est où? On va mettre ça. Et là après, en vrai, ici... Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on peut faire ça, vous voyez? Ça va poupler tous ces MP, c'est pas une bonne idée.
Dommage. Ah mais attends, on l'attaque. Voilà. Ah oui, attends, c'était Titan que je l'ai mis, c'est ça. Putain, mais même elle poule. Et c'est son attaque, ça se trouve, elle est... Mais non, elle est pas magique, elle est physique. Oh, c'est un délire. C'est un délire. Faut vraiment que je défende l'entrée de jeu avec Jack en fait. C'est, là on est bien d'accord qu'il a Après il a 71 de vitalité, on peut faire mieux, mais si. Non mais si je fais ça c'est mort, il aura plus de vitesse. Il aura plus de vitesse le coco là. Tac pardon. J'ai peut-être Vial Fury, en vrai, peut-être c'est pas un bon plan. Ah mais pourquoi Yuffie a perdu des points de vie là, bordel? Hé hey, j'étais full life tout à l'heure. Hein. Je vais Vial Fury parce que ça peut très mal se passer au début en fait. Ça peut très mal se passer. Bon, le thème, on verra ça demain. De toute façon, je pense que Jack doit faire défendre direct d'entrée de jeu parce que là, son combo au début, mais quel enfer. Après, Kiki pourrait lui claquer. Je sais pas. Un mégalix. Enfin, pas un élixir. Et puis Yuffie fait Regen. Ouais, je sais pas. Après, Regen, ça dure pas longtemps. Je sais pas si. Pas d'idée de faire ça. Y'a pas un accessoire qui divise tous les dégâts par deux là? Y'a pas une histoire de ce genre? Attendez. Mais je crois que ça vient Mass Materia, c'est ça le problème. Je crois que c'est un truc avec zéro slot. Ah non, c'est les Edrich, je crois que je confonds avec l'original. Ah, y'a ça, la Resist Cut et Pierce. 32 défense. MDR. Après, il y a le Mistyle, hein. Sinon, il y a le Mistyle de mort. Oh, yeah, yeah, yeah. I am the captain now. It. Non! Merci. Ouais, ça c'est un problème ça par contre. Ah mais Kiki il est mort. Merde. Oh, on va peut-être jouer en ATB White ici hein, je là. Oh là 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 là, l'enchaîne tellement. Attends, il va renew Jack, c'est ça? Ok. Pour l'instant les tentacules là ça va rien si on les attaque pas en fait, vous voyez. En vrai, vous savez quoi? Attendez, attendez, en vrai, attendez. En vrai, on va focus. Comment ça? Ah, mais double 4, c'est random? Putain, le ciblage qui va me tuer. Eh oui.
Ok. Merde, double catch. Comment ça, double... Attends, mais ça a changé, mais double catch, c'est pas random normalement. C'est mono-cible. Ah ouais. On défend un Jack. On défend un Jack. On fout le défend. Ah tabasse trop fort. Par contre, pourquoi elle a perdu des points de vie, Yuffie? Ah oui, non, mais je sais pourquoi, peut-être. Et merde. Stopette le Kiki. On s'en fout. En fait, j'ai l'impression qu'elle a pattern. Ah non, mais je suis con, mais connard man. Oh, ça va faire mal, ça, par contre. Est-ce que tu tankes ça, Jack, ou pas? Non. D'accord. Tu fais quoi, là? On est mort, je pense. Non, ok. Ouais, en plus, c'est la même animation, donc tu peux savoir si ça va faire son combo ou pas. Oh, peut-être qu'un Kamek Elixir, là. Et là, elle va contrôler quelqu'un. Je crois que c'est Jack, c'est ça. Et là, on va mettre Wall. J'ai fait le con. Parce qu'il va faire une autre attaque derrière. Et si c'est demi 3. Ah mais ça bug. Ah, oula, oh, d'accord. Oh, lui. Putain. Non mais le ciblage. Le ciblage de ce jeu, c'est de la merde. C'est de la merde, le ciblage de ce jeu. Bah alors on est dead, là. Je veux Jack. Je t'ai soigné, bro. Ah, rip Kiki. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Aïe. Je suis débile. Ah oui, en plus. J'en ai pas dans la merde. Ok. Débile man. Ok, c'était prévu. Jack a pas survécu, je pense, je sais pas. Ok. Défend. Bon, au moins, on a compris un peu pas le délire du combat. On va le tuer comme ça, moi je vous le dis. Oh non. On va le tuer comme ça, hein. On va s'emmerder. On a la strat. Allez, fais ta merde là. Si bien, je me troll pas. Et merci.
Et s'il va faire une connerie là? Ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais. Connard man. Alors là, ce serait génial, c'est qu'elle fasse une attaque de merde, que je fasse un méga elixir. Peut-être. Jack est mort. Donc en vrai, ce qu'on va faire. Ah non, je suis mort en fait. Oh non! J'ai pas Phoenix, oh non! Oh non, terrible! Non, mais c'est bon, on l'a. On l'a, mais par contre, la double attaque qui tape pas en mono, ça c'est la merde. Attendez, 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 attendez. Je pense que l'idéal c'est de mettre les contre-attaques sur Jack. Si les contre-attaques sur Kiki ne sert à rien. Osmos ne sert à rien. Barrière Renew. Master Command. Ouais. Mega Hall si ça sert. Ouais non mais je pense qu'elle a de la luck Mumba tu vois. Je pense qu'elle a beaucoup de chance la boss. Ça fait que ça loupe. Ah parce que Kiki là il a full luck là. 255 donc Ah mais je sais on va mettre à dead cut les gars, on va mettre à dead cut. Si je mets Deathblow à dead cut, Deathblow à dead cut ça fait Deathblow et attaque attaque derrière non. Oh oui il faut qu'on fasse ça. Je pense que je vais faire ça en fait. J'hésite à virer les Unas sur... Vas-y, Yulo. Oh, le plan cul. En plus, il y a des pas mal de dextérité. Voilà, là, on est d'accord. C'est ça que je dois faire, en fait. Double attaque, ça sert à rien, du coup. Même comme compteur, hein, ça a pas servi. Hein. Franchement... Voilà hein. Ça se cumule normalement. En vrai. Et Kiki, qu'est-ce qu'il te faudrait Kiki Je sais pas moi. Je sais pas. Ouais, je vais mettre un truc comme ça là. Là je pense qu'on est pas mal. Là je pense qu'on a la fucking strat. Mais ce boss est cool, ce boss est cool. Bien, bien, bien. Ce boss est tellement plus dur que les deux armes réunies, quoi. Putain. Il faut manquer que Jack tanque tout. Attends, on va faire le test. On va faire... Ah oui, bon, c'est pas grave. Ah non, merde, je suis ring. Oh, je vais le virer. Oh... Oh! Ouais, mais il valait de l'argent. Fury, il faut le virer. Attends, on va essayer si mon truc marche là. Ce serait un peu con d'y aller et dire bah non, ça marche pas. Mais c'est vrai qu'elle a de l'esquive, hein, cette grognasse. Hein. J'ai l'impression de jouer contre les mobs de Chick sur son hard mode, la MDR. Ouais si tu veux. Ah comme ça Jack il contre-attaque. Bon il fait un peu de dégâts, bon c'est toujours ça hein. Voilà. Ah ça marche qu'une seule fois. Oh no. Oh no. Ça se cumule pas les dead cut. Ah merde. Oh no. Putain. Ah. Fuck that. Ça se cumule pas malheureusement. Hmm.
Vous avez vu, elle fait comme un espèce de pattern, elle fait combo, après elle fait genre Shadow Flare, Comet 2, elle fait des trucs comme ça en fait. Et dès qu'elle fait Dispel, on est sûr que derrière elle fait son truc là, manipulation de mort là. Et en fait pour moi, ses attaques les plus chiantes c'est le combo, ça c'est sûr. Le fait qu'elle absorbe là... Déjà son combo et le fait qu'elle absorbe, elle met la queue sur la tête de quelqu'un là, c'est la même animation au début, donc c'est assez horrible. Et son plague aussi qui est vénère. Mais plague Yuffie, elle est là pour ça. Elle est là pour ça. Bon, je pense qu'on va essayer de tomber ce boss, puis après bonne nuit. Hein. Enfin, si j'avais à la tomber, ça se trouve elle a 1 million de points de vie, on sait pas. Hein. Genre. Ça c'est chiant. Je suis con. Regardez. Ah, par contre, elle va tout esquiver. J'ai pas regardé la force de Jack, c'est vous. C'est pas trop ça, hein. Oh la connasse. Bien joué. Oh la connasse. J'ai eu peur. Pas en Jack peut pas être slow. Il a auto-rest. Voilà Kiki, c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir. On va jouer très très safe, hein. Ok. On va jouer très très safe. T'as pas compris pourquoi je perds des points de vie, c'est l'absorbe HP qui me troll là. Putain, mais sans déconner. Alors là... Ça va faire mal. Ok. Est-ce que mes Galaxy passe? On défend. Yes, nice, Kiki, le Captain, putain. Dispel, c'est ça? Comet, on s'en fout. Ah, Kiki, voilà. Ça, c'est le combo, là, je crois. Non. Défends toute ta vie, défends toute ta vie, bro. Défends toute ta fucking vie. Bon, dispel, voilà, dispel, ok. Sur qui du coup? Luffy. Parce que j'ai fait des barrières justement parce que voilà, c'est dispel, elle va se mettre boomerang parce que c'est de la merde. Voilà. Et là je suis des barrières direct. Est-ce que c'est du génie? On peut dire ça. Oh là 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 là. Le pré-shot. Bien joué. Par contre je pense que Jack va mourir. Je pense que Jack est mort. De toute façon, je le renew. Jack, dis-moi que tu survives. Non, mais Jack, il touche pas. Hein. Oh là là. Non! Oh, ça, c'est pas bon signe. Oh! Ok. Peut-être son passif qui l'a sauvé. Il faut que je remette un wall. On essaye, hein. Shadow Flare sur Kiki, ça, c'est chiant. Ouais, voilà.
c'est un compteur, oh non. C'est bon. Enfin, c'est bon, façon de dire. Qu'est-ce qu'elle fait après, à votre avis? Si tu fais commettre deux, t'es une sœur. T'es ma sister. Oh, t'es à faire plague. Connasse. Ça doit aller, ça doit aller. Ça doit pas aller. Et... Sur qui? Chuck! Chuck le bro! Non, ça c'est pas une bonne idée. J'annule ton heal. Ça va être bientôt l'heure du dispel, je pense. Je trouve pas dispel. J'ai fait le con. Putain, mais le menu, le menu! Ah mais non, mais c'est bon, elle l'a fait. Par contre, elle a un boomerang. Qu'est-ce qui se passe? Tu bug? Ah. Putain, c'est horrible. Oh la galère. Sa mère. Flair, on s'en fout, je pense. Attends, quand point dit meuf. Mind Blast, on connaît pas. Bien joué. Oh non. Ok. Ah, Rhino ne devient pas Fury. Merde. On est dans la merde. Oh no. Après on a le Phoenix, hein, je le rappelle. Attendez, excusez-moi. Le son du jeu est super fort, hein, c'est ouf. Hein. Ah. Si tu tues Kiki, ça me va très bien. Ok. Je pense qu'on est pas loin, hein. Je pense qu'on est pas loin. Dispel, ok, bon, on sait où ça va mener cette histoire. Il faut pas que je panique dans les menus. Il manque Kiki là, le tue. Oh no. Ok, donc dispel et barrière. Ok, ok. Ouais. Attends, mais qu'est-ce qu'elle a, Yuffie? Là, elle est pas bien, là? Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Ça va être compliqué, je pense. Oh, bien joué. Non, pas bien joué. Faut pas qu'elle fasse un crit. Oh, nice, nice. Oh. Mon compteur de Jack ne sert pas à grand chose. Hein. Mais au moins, ça me laisse temps de réfléchir. Merde, faut tuer les tentacules.
Et les tentacules font genre attaque suicide. Easy. First try. Oh non, putain, le loot, enfin la récompense. Oh non, 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 non. Et voilà, c'était le super buzz news rate. Très très bon fight, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup adoré ce fight. Oh, elle donne rien. Quoi, c'est tout? Elle donne rien? Y'a pas de récompense du coup? Oh no. Et la P2. Ah, merci, merci Mumba, Louplou, Monsieur Chico, merci. La dépression. C'est tout? Même pas un petit item troll ou je sais pas quoi? Bon. Respect plus, ouais, non, super. Respect plus. Avec le jingle de GTA, tu sais. Ah oui, attendez, y'a pas une tricherie là? Je peux aller directement pot de sauvegarde là depuis ici? Ouais, bon, vite fait quoi. Et bah voilà, bah écoutez, bah je pense que. Je pense que vendredi on termine ce let's play là. Le live qui va durer une demi-heure. Il faudrait que je change d'équipe, il faudrait retourner en haut, tout ça. Et là, mob de pute. Comment ça? Mais non, mais t'oublies un truc, Kiki. Sur 50 MDR. T'oublies un truc, Kiki. C'est I am the fucking captain now. Bien, j'aurais dû savoir ce qu'il avait à morpher, lui. En tout cas, on avait la strat. Ah non, merde. Ah oui, pardon. Un Aegis Armelette. Oh. J'attendais un élixir, je suis déçu. Oh no. Ou un ruban, tu sais. J'en connais ce truc, c'est... Ah oui, c'est ça, là. La bite. C'est la bite. Et ben voilà. Parfait. Et ben avec cette équipe, on aura tout fait. Mais il est très très bon ce super boss. Voilà, là ce combat, je suis d'accord, il était très très bien. Bon, par contre, l'armée Mourode et Ozma, de la bite. De la bite en barquette. Ok. Et ben écoutez, j'espère que cela vous aura plu. 2 ans après avoir lancé cette partie. La grande conclusion, vendredi. Vendredi soir, la grande conclusion de Newsret. Et puis comme ça, voilà, on a fini avec ce putain de jeu. Parce que oui, Shota, moi aussi, je suis une sorte de marathon, si t'es encore là. Le prochain, ça sera du coup FF9 Alternate Fantasy, mais il faut que je fasse le ménage dans les VOD. Il faut au moins que je publie bah, ces deux VOD de FF News Threat et puis tous les VOD que j'ai de FF8. Parce que, au secours. Au secours. Bon, allez. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite bonne nuit. Bon geekage. Bonne semaine. Et je vous donne rendez-vous vendredi. Pour la conclusion. FF7 News Rate 2.0, voilà. Kiki doit taper plus fort. Ah ouais? C'est dommage, tu seras pas là pour la fin, Kiki. Oh, il faut tourner les équipes. Allez, salut. Merci à vous. Les ténèbres. Les dieux. La calamité des dieux.